donc on revient sur le partage. Wir machen weiter mit unserem Wort. Voilà, la fondation. Und es geht um dieses Fundament. Le fondement. Das Fundament. Voilà, donc tout à l'heure on disait. Wir haben festgestellt. Il y a le fondement biblique. Es gibt das biblische Fundament. Et il y a aussi un autre fondement. Und es gibt ein anderes Fundament. Qui n'a rien à voir avec le fondement biblique. Das nichts zu tun hat mit dem biblischen Fundament. Et dans le livre de Corinthiens, l'épître. Und wir haben gesehen im Korintherbrief. Paul a posé le vrai fondement. Da hat Paulus das wahre Fundament gegründet. Et selon 1 Corinthiens. Und im 1. Korinther. Le fondement c'est le Seigneur. Ist das Fundament der Herr. C'est la parole du Seigneur. Das Wort des Herrn. Si le fondement c'est le Seigneur, wenn das Fundament der Herr ist, tout ce que nous allons faire, dann ist alles, was wir machen, va élever le nom du Seigneur. Das wird den Herrn erheben. Mais si c'est un autre fondement, wenn es ein anderes Fundament ist, tout ce que nous allons faire, dann ist alles, was wir machen, va élever l'homme, den Menschen wird l'humain, alles erheben, den Menschen, la créature. Die Kreatur, die Schöpfung. Alléluia. Et si on ne revient pas au véritable fondement, und wenn wir nicht zum wahren Fundament zurückkehren, on va travailler en vain. Werden wir umsonst arbeiten, on va courir en vain, und umsonst rumlaufen, on peut aller en mission en vain, wir können umsonst auf Mission gehen, parce que le centre, ce n'est plus le Seigneur. Weil der Herr ist nicht, steht nicht im Zentrum. Alléluia. Luc, Luc 6. Wir lesen Lukas 6. Verset 47. Lukas 6. Vers 47, 47. 48. Ich lese Lukas 6, Vers 47 bis 48. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich werde euch beibringen, mit wem er vergleichbar ist. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute, der grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, schlug der Strom an jenes Haus. Und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf den Felsen gegründet. Verset 47. Quiconque vient à moi et écoute mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un être humain qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a mis le fondement sur le rocher. Mais une inondation est venue, le fleuve s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bâtie sur le rocher. Alléluia. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, ich habe euch gerade gesagt, ici c'est deux types de maisons. Es gibt zwei Arten von Häusern, littéralement deux types d'enfants du Seigneur. Zwei Arten von Kindern des Herrn. Voilà. Il y a ceux qui obéissent, diejenigen, die gehorsam sind, et ceux qui n'obéissent pas. Und diejenigen, die nicht gehorsam sind. Et dans le premier cas ici, und im ersten Fall, on nous parle de ceux qui obéissent. Wollen wir sprechen über diejenigen, die gehorsam sind, diejenigen, die hören, et mettre la parole en pratique, und diejenigen, die das Wort praktizieren, ceux qui obéissent, diejenigen, die gehorchen, ils sont semblables, sind genauso, à ceux qui construisent des maisons, wie jemand, der ein Haus baut, et qui vont en profondeur, und tief gräbt, et pose la fondation en profondeur, und in der Tiefe das Fundament gründet. Et la Bible nous dit ici. Und die Bibel sagt zu uns, le fleuve est venu, der Fluss ist gekommen, l'inondation est venue, diese Überschwemmung ist gekommen, mais il n'a pas pu ébranler la maison, aber konnte das Haus nicht erschüttern, parce que la fondation était solide, weil das Fundament war solide,
Alléluia. C'est l'image d'un enfant du Seigneur. Das ist das Bild des Kind des Herrn. Qui obéit au Seigneur. Das dem Herrn gehorcht. Qui marche selon les commandements du Seigneur. Und nach den Geboten des Herrn geht. L'ennemi peut envoyer ses gens. Der Feind kann diese Leute schicken. L'ennemi peut envoyer les faux. Und falsche Leute schicken. Mais ils ne pourront pas les branler. Aber sie können ihn nicht erschüttern. Parce qu'ils s'appuient sur le Seigneur. Weil sie sich auf den Herrn stützen. Parce qu'ils s'appuient sur le rocher. Weil sie sich auf den Herrn stützen. Et je l'ai dit tout à l'heure. Auf den Fels. Und ich habe es gerade gesagt. Le fondement, c'est le Seigneur. Der Herr ist das Fundament. Alléluia. Das ist nicht laut genug. Das, ich tue mich sehr schwer hier mit diesem Mikrofon. Nein, es ist. Der Sound ist falsch. Du musst näher. Sprich, wir hören schon. Hallo. Preist den Herrn, preist den Herrn. Wir hören schon. Ich höre mich nicht. Ja, du musst nicht. Wir hören schon. Wir hören dich schon. Amen. Amen. Voilà. Donc la première maison, das erste Haus, c'est un type d'enfant du Seigneur, ist ein besonderer Typus, voilà, des Kindes des Herrn, qui obéit au Seigneur, das auch, dem Herrn gehört, et qui pose la fondation dans les profondeurs. Und dieses Fundament in der Tiefe eingräbt. Et donc ici on nous dit, quand on nous parle de creuser, und wenn man hier von graben spricht, c'est la profondeur. Dann geht es um die Tiefe. Donc celui qui obéit au Seigneur, der also dem Herrn gehört, s'enracine. Ist verwurzelt. Celui qui obéit au Seigneur, der dem Herrn gehört, va dans les profondeurs. Geht in die Tiefe. Et quelles que soient les tempêtes, und egal welcher Sturm kommt, quelles que soient les épreuves, egal welche Erschütterungen le kommen, Seigneur lui donnera la victoire. Der Herr wird ihm den Sieg geben. Parce que les épreuves là, weil diese Prüfungen ne vont pas trouver l'homme, werden nicht den Menschen tun, mais ils vont trouver le Seigneur, sondern den Herrn. Parce que le Seigneur est sa priorité. Weil der Herr steht vor ihm, ist seine Priorität. Alléluia. Et celui qui bâtit sa maison dans la désobéissance, und jeder, der sein Haus auf Ungehorsam baut, voilà, il est comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur le sable. Ist jemand, der sein Haus auf Sand baut. Et quand les tempêtes arrivent, wenn dann der Sturm kommt, quand les faux arrivent, und falsche Prediger kommen, la maison est renversée. Wird dieses Haus umgeschüttet. Alléluia. Donc quand vous voyez une œuvre, wenn ihr also ein Werk seht, où vous voyez les enfants du Seigneur, die Kinder des Herrn, à chaque fois on les embarque. Wenn man immer die Kinder des Herrn betrübt, à chaque fois on s'amuse avec eux. Oder sich oder mit den Kindern des Herrn spielt, parce que le fondement qui les accompagne, dann, weil das Fundament, ce n'est pas le Seigneur, nicht der Herr ist. Ce n'est pas le Seigneur, es ist nicht der Herr. C'est un autre fondement, es ist ein anderes Fundament. Et les gens ne sont pas affermis. Und diese Leute sind nicht fest. Alléluia. Et la Bible nous dit, und in der Bibel steht, si le fondement s'ébranle, wenn das Fundament, le juste, que fera-t-il? Was wird dann der Gerechte machen? Parce que le juste est censé marcher selon le Seigneur. Weil der Gerechte muss nach den Wegen des Herrn gehen. Le juste est censé marcher selon les commandements du Seigneur. Der Gerechte muss nach den Geboten des Herrn gehen. Pas selon le monde. Nicht nach der Welt. Pas selon la culture de quelqu'un. Nicht nach der Kultur von jemandem. Mais selon les Écritures. Sondern nur nach den Schriften. Tout à l'heure, on a pris un exemple. Wir haben jetzt ein Beispiel genommen, wo Paul pouvait dire, wo Paulus sagte, je n'ai désiré ni l'or, ich sehne mich nicht nach Gold, ni l'argent, noch nach Geld, ni les vêtements de personne, noch nach Kleidern. Paul prêchait l'évangile gratuitement. Sondern Paulus hat das Evangelium kostenlos. Paul ne demandait pas l'argent. Paulus wollte kein Geld. Il prêchait le message gratuitement. Er predigte seine Botschaft kostenlos. Parce que le fondement de sa vie, weil das Fundament seines Lebens, c'était le Seigneur. War der Herr. Il a dit dans le livre de Matthieu 18, in Matthäus 18, vous avez reçu gratuitement, steht,
Ihr habt kostenlos empfangen. Donnez gratuitement. Ihr sollt auch kostenlos weitergeben. Donc tout ce qui concerne l'évangile. Und alles, was das Evangelium betrifft. Est gratuit. Muss also kostenlos sein. Tu peux écrire des livres. Du kannst Bücher schreiben. C'est gratuit. Dann aber kostenlos. Tu peux recevoir des chants. Du kannst Lieder empfangen. C'est gratuit. Dann aber kostenlos. Tu peux mettre un t-shirt Yeshua. Du kannst ein T-Shirt anziehen, wo c'est gratuit. Yeshua draufdruckst, kostenlos. Tout ce qui concerne le Seigneur est gratuit. Alles, was den Herrn betrifft, muss kostenlos sein. Lorsque dans une affaire, wenn in irgendeinem Geschäft, tu as déjà mis le nom de Yeshua, du den Namen, wenn in einem Geschäft, ce n'est plus monnayable. Du den Namen Yeshua reinbringst, c'est gratuit. Dann muss es kostenlos sein. Mais si ce sont tes propres affaires. Aber wenn du selber irgendein Business machst. Parce que la Bible dit. Weil in der Bibel steht auch. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Si ce sont tes propres affaires. Wenn du selber irgendein Geschäft machst. Laisse le nom du Seigneur en dehors. Dann lass bitte den Namen des Herrn draußen. Fais tes affaires. Sondern mach du deine Arbeit. Alléluia. Alléluia. Et ça, on veut partager cette parole-là pour que les enfants du Seigneur comprennent que quand ils auront affaire à ce genre de personnes qui viendront vers eux pour présenter un autre message, il faut qu'ils soient capables eux-mêmes. Dann müssen diese Christen selber in der Lage sein, de dire, c'est pas la parole. Da, entgegenzutreten mit dem Wort. De refuter les contradicteurs. Diejenigen zurechtzuweisen, die gegen das Wort sprechen. De dire non à les fausses doctrines. Zu falschen Lehren Nein zu sagen. Et de présenter l'évangile. Und das Evangelium zu, das wahre Evangelium parce zu verkünden. Parce que seul Yeshua sauve. Weil nur Yeshua rettet. Alléluia. Et je connais un homme dans la Bible, Petros, und es gibt einen in der Bibel, das ist der Petrus, qui a dit, der hat gesagt, je n'ai ni or, ich hab nicht ni Gold, argent, ich hab nicht mais ce que j'ai, je te le donne. Aber was ich habe, gebe ich. Lève-toi et marche. Steh auf und geh. Alléluia. Amen. Est-ce que la délivrance était payante là? Ist dieses, war diese Befreiung, il dit, ce que j'ai, gekostet? Nein. Je te le donne. Was ich habe, gebe ich dir. Ce n'était pas monnayable. Das ist nicht bezahlbar gewesen. Il a reçu cette grâce gratuitement. Denn er hat die Gnade kostenlos. Il a communiqué ça gratuitement. Und hat es kostenlos weitergegeben. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Amen. La Bible nous dit. Die Bibel sagt uns. Vous connaîtrez la vérité. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Et la vérité vous rendra libre. Und die Wahrheit wird euch frei machen. La vérité vous rendra libre. Die Wahrheit wird euch frei machen. Nous devons être libres. Wir müssen frei sein. Parce que le maître est à la porte. Weil der Herr steht schon an der Tür. Le fondement véritable, c'est l'évangile. Das wahre Fundament ist das Evangelium. Et le faux fondement, c'est les traditions. Das falsche Fundament sind die Traditionen. Et les paroles qui ne viennent pas du Seigneur. Und alle Worte, die nicht vom Herrn kommen. Alléluia. Amen. Ephésiens 2:20. Epheser 2:20. Ich lese mal gleich vor. Epheser 2:20. Ephesien 2:20. Tu peux lire à partir du verset 19, s'il te plaît, 19 avant. Ab Vers 19 lesen wir sogar. Deshalb seid ihr also nicht länger Ausländer und ohne Aufenthaltsrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Mitglieder des Haushalts Elohims. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten gebaut, in dem Jehoshua Maschia selbst der fundamentale Eckstein ist. Alléluia. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints et membres de la famille d'Elohim. Ayant été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Yeshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Ayant été édifié.
Ihr seid aufgebaut. Édifier veut dire construire. Das heißt, etwas bauen. Édifier veut dire bâtir. Etwas konstruieren. Sur le fondement auf dieses Fundament des apôtres der Apostel et des prophètes. Und der Propheten. Et les apôtres et les prophètes de l'agneau ont parlé du Seigneur. Haben von Herrn gesprochen. Ils ont mis le Seigneur au centre. Sie haben den Herrn ins Zentrum gesetzt. Et la fondation qu'ils ont posée. Und dieses Fundament, das sie gesetzt haben. Le fondement qu'ils ont posé. Dieses Fundament, das sie gelegt haben. C'est le Seigneur. Das ist der Herr. Alléluia. C'est le Seigneur. Das ist der Herr. Et on a besoin de formation pour comprendre ça. Und wir brauchen Ausbildung, damit wir das verstehen. On a besoin de s'enraciner pour comprendre ça. Wir müssen eingewurzelt werden, um das gut zu verstehen. Parce que la vie chrétienne, denn das Christenleben, ce n'est pas une période. Ist nicht eine gewisse Zeit. Une période je suis zélé. Eine gewisse Zeit lang bin ich sehr eifrig. Et une autre période je suis tiède. Und dann kommt eine lauwarme Zeit. La vie chrétienne, sondern das Christenleben, c'est une persévérance constante. Ist ein ständiges Durchhalten, konstant. C'est jusqu'à la fin. Konstantes Wandeln bis zum Ende. C'est jusqu'à la fin. Bis zum Ende. C'est jusqu'à la fin. Bis zum Ende. Halleluja. Voilà pourquoi la Bible dit. Und deswegen steht in der Bibel. De deux qui seront sur le même lit. Zwei liegen auf dem gleichen Bett. Ça peut être l'image du couple. Das kann zum Beispiel ein Ehepaar sein. Si le mari aime le Seigneur, wenn der Mann den Herrn liebt, et la femme s'amuse avec le Seigneur, und die Frau nur so tut, le mari va partir, wird der Mann gehen, et la femme va rester. Und die Frau wird si sein. C'est le contraire, wenn es andersrum le mari s'amuse, und der Mann nur spielt, et la femme craint le Seigneur, und die Frau den Herrn fürchtet, elle partira, wird sie weggehen, et le mari va rester. Und der Mann wird bleiben. Parce qu'avec le Seigneur, denn mit dem Herrn, il y a pas le sentiment. Gibt's keine Gefühle. Parce qu'avec le Seigneur, mit dem Herrn, on ne peut pas tricher. Gibt's keine Betrügerei. Ment aux hommes, faut mentir aux hommes. Wenn man die Menschen belügt, mais le Seigneur ne peut pas. Dann aber nicht mentir den Herrn. Le Seigneur. Man kann den Herrn nicht belügen. Il dit toute créature, jede Schöpfung, est mise à nu devant lui. Ist nackt vor dem Herrn. Donc on peut se cacher des hommes. Man kann sich also vor den Menschen verstecken. Mais Yahweh nous voit. Aber jemand sieht uns. Voilà pourquoi un vrai enfant du Seigneur deswegen macht ein wahres Kind ne peut pas tromper sa femme. Keinen Betrug, niemand betrügt seine Frau, die ein wahres Kind des Herrn ist. Et la fidélité qu'il a, und diese Treue, die er bekommt, c'est même pas à cause de l'amour de sa femme. Hat gar nichts mal zu tun mit der Liebe zu seiner Frau. Parce que sa femme n'est pas avec lui tous les jours. Weil seine Frau ist ja gar nicht bei ihm jeden Tag. Mais la fidélité qu'il a, sondern diese Treue, die er in sich hat, c'est parce qu'il ne veut pas blesser le cœur du Seigneur. Ist, weil er nicht den Herrn verletzt. Et plus tu es fidèle au Seigneur, und je treuer er dem Herrn ist, plus tu aimes le Seigneur, je mehr du den Herrn liebst, tu ne peux pas t'amuser avec ta femme. Kannst du nicht mit deiner Frau, tu ne peux pas t'amuser avec ton mari. Du kannst nicht mit deinem Mann. Parce que même si ta femme n'est pas là, weil selbst wenn deine Frau nicht da le Seigneur ist, est là. Sieht dich der Herr. Voilà pourquoi si on craint le Seigneur, wenn man also den Herrn fürchtet, si on craint véritablement le Seigneur, wenn man wirklich den Herrn fürchtet, on doit faire les choses, muss man die Dinge so tun, pas pour plaire aux hommes, dass man nicht nur den Menschen gefällt, mais pour plaire au Seigneur, sondern dem Herrn gefällt. Et c'est le verset que mon frère a pris le matin. Und das ist der Vers, den mein Bruder heute Morgen wo Paulus gesagt hat, si je plaisais encore aux humains, wenn ich noch den Menschen gefiele, je ne serais pas un serviteur du Mashiach, wäre ich kein Diener des Mashiach. Mais la question qu'on doit se poser, wir müssen uns die Frage stellen, dans notre marche, wenn wir gehen, on cherche toujours à plaire aux hommes. Versuchen wir immer Menschen zu gefallen. Lorsqu'on dit aux frères et sœurs, wenn wir Brüdern und Schwestern sagen, le Seigneur peut susciter des frères pour nous encourager, der Herr kann auch Brüder und Schwestern auferwecken, mais le berger par excellence, aber der alleroberste Hirte, le pasteur par excellence, der oberste Pastor, c'est Yeshua, ist Yeshua, le gardien de nos âmes. Er ist der Hüter unserer Seele. Voilà pourquoi un homme ne peut pas être notre couverture. Und deswegen kann ein
ein Mensch nicht unsere Decke sein. Et le jour qu'un pasteur va te dire qu'il est ta couverture. Und der Tag, an dem ein Pastor zu dir sagt, er sei deine Sicherheit, deine Decke. Et là on parle de la couverture spirituelle. Deine geistliche Decke. Tu dois comprendre que c'est la sorcellerie. Wirst du verstehen, das ist Hexerei. Parce que le seul qui nous couvre, weil der Einzige, der uns bedeckt, c'est Yahweh. Ist Yahweh. Parce que quand je dors, weil wenn ich schlafe, le pasteur aussi dort, schläft auch mein Pastor, Yahweh me couvre, aber Yahweh bedeckt mich. Yahweh le couvre aussi. Und Yahweh bedeckt auch bien ihn. Bien sûr, il craint le Seigneur. Alléluia. On dit ronfler comme un ronfler. Schnarchen. Voilà, quand tu ronfles là-bas, wenn du schnarchst, c'est le Seigneur qui te garde. Behütet dich der Herr. C'est pas un homme. Kein Mensch. Alléluia. Amen. C'est pas un homme. Kein Mensch. Voilà pourquoi lorsque le Machia est prêché quelque part, wenn also der Machia irgendwo gepredigt wird, lorsque la lumière est annoncée, und das Licht gepredigt wird, parce que prêcher le Seigneur, weil den Herrn zu predigen, c'est présenter la lumière. Heißt, das Licht zu präsentieren. Or, le monde est dans les ténèbres. In einer Welt der Finsternis. Le monde est dans la confusion. Die Welt ist in Verwirrung. Le monde est dans l'apostasie. Die Welt ist im Abfall. Et les nations, und die Nationen, ont besoin de la lumière. Brauchen Licht. Ont besoin du Seigneur. Sie brauchen den Herrn. Ont besoin du Seigneur. Sie brauchen den Herrn. Regardez ce qui se passe dans le monde. Guck mal, was alles in der Welt passiert. Guerre passée. La guerre. Krieg. Guerre par là. Überall Krieg und Schlachten. C'est des signes des temps de la fin. Das sind Zeichen der Endzeit. Où le Seigneur a annoncé. Der Herr hat's vorausgesagt. Que ces choses vont arriver. Dass diese Dinge passieren werden. Ça veut dire qu'il est à la porte. Das heißt. Il est à la porte. Er ist an der Tür. Son retour est imminent. Er kehrt bald wieder. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire dans le livre de Johannan. Deswegen sagt der Herr im Buch Johannan. De travailler. Dass wir arbeiten sollen. Non pour la nourriture qui périt. Nicht für diese Nahrung, die verdirbt. Mais pour celle qui subsiste. Sondern die Nahrung, die immer bleibt. Alléluia. De travailler la véritable nourriture. Für diese echte Nahrung arbeiten. La véritable nourriture. Die wahre Nahrung arbeiten. La parole du Seigneur. Das Wort des Herrn. La parole du Seigneur. Das Wort des Herrn. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque le fondement est posé, und wenn unser Fundament richtig gelegt lorsque la ist, parole du Seigneur est posée, wenn das Wort des Herrn gelegt ist, y a la crainte. Dann gibt's auch Ehrfurcht. La crainte du Seigneur. Ehrfurcht vor dem Herrn. Et la crainte du Seigneur. Und diese Ehrfurcht vor dem Herrn. Selon Proverbe 8. Entsprechend Sprüche 8. C'est la haine du péché. Furcht vor dem Herrn ist Hass des Bösen. Et c'est la haine du mal. Der Sünde. Même si tu es jeune. Es ist Hass des Bösen und Hass der Sünde. Tu ne peux pas livrer ton corps. Auch wenn du jung bist, kannst du deinen Körper nicht hingeben. Tu ne peux pas exposer ton corps. Deinen Körper nicht offen darlegen. C'est parce que tu crains le Seigneur. Weil du den Herrn fürchtest. C'est parce que tu aimes le Seigneur. Weil du den Herrn lieb hast. Et tu ne veux pas blesser son cœur. Und du kannst den Herrn nicht verletzen. Parce que à chaque fois que tu pèches, weil jedes Mal, wenn du sündigst, à chaque fois que tu mens, jedes Mal, wenn du lügst, de manière volontaire, absichtlich lügst, tu blesses le cœur du Seigneur. Wirst du den Herrn verletzen. Tu attristes l'esprit du Seigneur. Der Heilige Geist wird traurig darüber. Halleluja. Amen. Apocalypse 22. Offenbarung 22. Apocalypse 22 à partir du verset 11. Verset 11. Apocalypse 22 à vers 11. Tu peux lire mon verset 10, verset 11, verset 10, verset 11. Ab vers 10. Er spricht auch zu mir. Versiegle die Worte der Prophezeiung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Der ungerecht Handelnde handle weiterhin ungerecht. Und der Verunreinigte verunreinige sich weiter.
Und der Gerechte werde weiterhin gerecht und der Heilige werde weiter geheiligt. Was ist los? Und siehe, ich komme zügig und meine Belohnung mit mir, um jedem zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Alleluja. Il dit que celui qui agit injustement agisse encore injustement. Et celui qui est sale se salisse encore. Et celui qui est juste pratique encore la justice. Et celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens à toute vitesse et mon salaire est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Alléluia. Vous avez vu le fondement, la parole? Que celui qui est sale se salisse encore. Wer schmutzig ist, soll sich weiterhin schmutzig machen. Que celui qui se sanctifie, wer sich heiligt, se sanctifie encore. Heilige sich weiterhin. Ici, le Seigneur n'a pas supplié quelqu'un. Amen. Hier hat der Herr nicht jemanden angefleht. Le Seigneur n'a pas dit non, pardon, arrête de te salir. Der Herr hat nicht gesagt, ach bitte, hör doch auf, dich zu verunreinigen. Il dit, je mets devant toi deux chemins. Sondern er sagt, ich lege zwei Wege vor dich. La vie. Das Leben. Et la mort. Den Tod. Choisis la vie. Du sollst das Leben wählen. Et si tu choisis la mort. Wenn du aber den Tod wählst. C'est ton choix à toi. Hast du selbst deine Wahl getroffen. Mais il y a des conséquences. Aber du hast Konsequenzen zu tragen. La Bible nous dit. In der Bibel steht. Le salaire du péché. Der Lohn des, der Sünde, c'est la mort. Ist der Tod. C'est la mort. Der Tod. Donc ça veut dire que non, que quand tu pèches, wenn du also sündigst, tu vas recevoir un salaire. Wirst du einen Lohn empfangen. C'est comme quand tu travailles, wenn du arbeitest, tu t'attends à recevoir un salaire. Erwartest du auch deinen Lohn. Mais quand tu pèches aussi, aber wenn du sündigst, tu vas recevoir un salaire. Kriegst du auch einen Lohn. Et c'est la mort. Und das ist der Tod. Et ici, il dit, und hier steht je rendrai à chacun ich werde jedem vergelten selon son œuvre. Nach seinem Werk. Donc le Seigneur ne va pas nous juger en groupe, amen. Der Herr wird uns nicht in der Gruppe richten, c'est de manière individuelle. Sondern ganz individuell. Il ne dira pas à l'enfant que er wird nicht dem Kind sagen, comme papa me craignait, sois sauvé. Non. Dein Vater hat mich gefürchtet, also bist du auch. On sera face à face avec wirst lui. Du auch gerettet. Sondern du wirst selbst dem Herrn entgegenstehen. Face à face avec le Seigneur. Du wirst selbst gegenüber dem Herrn stehen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, und die Bibel sagt uns, sans la sanctification, ohne die Heiligung, personne ne verra le Seigneur. Wird niemand dem Herrn car ce que Elohim veut, weil der Herr möchte, c'est notre sanctification. Dass wir uns heiligen. Donc tu dois, du musst also, jusque quand tu vas te marier, te préserver. Du musst dich also selbst bewahren, bis du en Mashiach, heiratest. In Mashiach. Il n'y a pas de petit copain. Du sollst keinen Freund haben. Tu dois te préserver. Du musst heilig reinbleiben. Parce que quand tu n'es pas marié, weil wenn du nicht verheiratet bist, ton corps là appartient au Seigneur. Gehört dein Körper dem Herrn. Ton corps là appartient au Seigneur. Dein Körper gehört dem Herrn. Donc tu dois glorifier le Seigneur. Du musst also den Herrn ehren. Même par ton habillement. Sogar durch deine Kleidung. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un qui craint le Seigneur, jemand, der nämlich den Herrn fürchtet, ne doit pas s'habiller avec légèreté. Darf nicht, sich nicht so leichtsinnig kleiden. Parce que la personne craint le Seigneur. Denn diese Person, la personne aime le Seigneur. Fürchtet den Herrn, sie liebt den Herrn. C'est cet évangile-là qu'il faut prêcher. Und dieses Evangelium müssen wir weitergeben. Pas l'argent, c'est l'évangile véritable. Nicht das Evangelium des Geldes, sondern das wahre. Parce que le message du Seigneur, weil die Botschaft des Herrn, la parole du Seigneur, das Wort des Herrn, te conduit au ciel. Bringt dich in den Himmel. Et c'est ça notre destination. Und das ist unsere, c'est unser ça Ziel. Notre finalité. Unser Ziel. Le ciel. Der Himmel. Le ciel. Der Himmel. Le ciel. Der Himmel. Parce que le Seigneur revient. Weil der Herr kommt wieder. Parce que le Seigneur revient. Der Herr kommt wieder. Le Seigneur n'a pas prêché sur les sorciers. Der Herr hat nichts über die Hexer gepredigt. Le Seigneur n'est pas venu pour condamner les gens.
Der Herr ist nicht gekommen, die Leute zu richten oder les gens étaient dans les gens étaient dans les ténèbres. Sondern die Leute waren schon in der Finsternis. Il a apporté la lumière. Und er hat das Licht gebracht. Et les gens ont vu la lumière. Und die Leute haben das Licht gesehen. Et ils ont reconnu. Und sie haben gemerkt. Comme la femme samaritaine. So wie die samaritische Frau. Que celui-là est le sauveur. Er ist der Retter. Le sauveur du monde. Er ist der Retter der Welt. Il n'y a aucun autre nom. Es gibt keinen anderen Namen. Qui a été donné. Der gegeben ist. Par lequel nous devons être sauvés. Durch den wir gerettet werden. Si ce n'est que le nom du Seigneur. Außer dem Namen des Herrn. Au nom de tel frère. Im Namen dieses Bruders. Tu n'auras jamais le salut. Wenn du das sagst, wirst du nie gerettet. Au nom de tel apôtre. Tu n'auras jamais la délivrance. So wirst du nie befreit. Mais au nom de Yeshua, aber im Namen Yeshua, même quand tu ne vois rien, auch wenn du nichts siehst, quelque chose se passe. Passiert etwas. Quelque chose se passe. Es passiert was. Et c'est lui qu'il faut prêcher. Und ihn müssen wir verkünden. Et c'est lui qu'il faut annoncer. Und ihn müssen wir predigen. Avec véhémence. Mit Vehemenz. Avec force. Mit Kraft. Et les âmes vont te toucher. Les nations ont besoin de l'évangile. Les nations ont besoin de la lumière. La puissance du Seigneur restaure la crainte. La puissance du Seigneur restaure tout ce qui a été brisé. La puissance du Seigneur restaure les maladies. Lösch die Krankheiten la puissance du Seigneur chasse les démons. Vertreibe die Dämonen. La puissance du Seigneur restaure tout ce que l'ennemi veut briser. Stellt wieder her alles, was der Feind zerbrochen hat. Et nous prions ce soir. Wir beten heute. Et nous prions ce soir. Wir beten heute ab, au nom de Yeshua. Que l'œuvre soit restaurée en Allemagne. Que l'œuvre soit restaurée en Allemagne. Que l'évangile soit restauré en Allemagne. Que la puissance du Seigneur soit restaurée. Oh, la puissance du Seigneur. La puissance du Seigneur. La puissance du Seigneur. La puissance du Seigneur. Nous chassons la fatigue. Nous chassons la fatigue. Nous chassons la paresse. Nous chassons la négligence. Esprit de négligence, tu quittes cette œuvre. Fini. Geist der Oberflächlichkeit, fini. Sei vertrieben. Le Seigneur te remet les chaussures. Il te remet. Il est en train de te remettre les chaussures. Der Herr gibt dir deine Schuhe. Il est en train de te remettre les chaussures. Der Herr gibt dir deine Schuhe. Il est en train de te remettre les chaussures. Der Herr gibt dir deine Schuhe. Il est en train de te remettre les chaussures. Der Herr gibt dir deine Schuhe wieder. Il est en train de te remettre les chaussures. Er gibt dir deine Schuhe wieder. Tu as eu reçu la grâce dans l'intercession. Du hast deine tu as reçu la grâce dans la prière. La puissance du Seigneur. L'autorité du Seigneur. La main du Seigneur. Au nom de Yeshua, tu as reçu la grâce. Le Seigneur, est en train de restaurer. Le Seigneur est en train de restaurer. Le Seigneur est en train de restaurer. Le Seigneur est en train de monter dans l'esprit une barrière brisée qui est en train d'être reconstruite. Le Seigneur restaure la muraille dans cette œuvre. Il restaure la muraille. Il restaure la muraille. Il relève tous ceux qui sont fatigués. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. L'esprit de mort s'en va. Totengeist raus. L'esprit de mort s'en va. Der Totengeist geht. L'esprit de mort s'en va. Der Totengeist geht. L'esprit de mort s'en va. L'esprit de mort. L'esprit de mort. Der Totengeist. La puissance du Seigneur. Die Kraft des Herrn. L'autorité du Seigneur. Die Autorität des la Herrn. Main du Seigneur.
La main du Seigneur. La main du Seigneur. Merci, Papa. Merci, Papa. Le Seigneur suscite des véritables dirigeants en Allemagne. Des véritables dirigeants en Allemagne maintenant. Des véritables dirigeants. Oh, Rabba, Seka, Rabba, Baba. Des hommes au cœur du Père. Des hommes, des pères. Des pères qui vont se dépouiller pour les âmes. Des pères qui vont gémir dans la prière pour les âmes. Des pères. Des pères apostoliques. Oh, une œuvre nouvelle. Une génération nouvelle en Allemagne. Une génération nouvelle en Allemagne. Oh, le Seigneur va puissamment visiter Stuttgart. Un puissant réveil. Oh, une jeunesse. Une jeunesse qui va te toucher. Oh, Rabakaria, Rabasanda, Rabasoka, Rababababa. Au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua, Papa. Au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua, Papa. Seigneur, tu restaures ton œuvre. Papa, tu restaures ton œuvre. Papa, tu restaures ton œuvre. Papa, tu restaures ton œuvre. Oh, Karabakaria. Ils sont en train d'incanter contre l'œuvre de Stuttgart. Ils sont en train d'incanter. Le Seigneur est en train d'annuler cela. Le Seigneur est en train d'annuler cela. Il y aura un réveil. La repentance des jeunes. Des jeunes. Des jeunes. Des jeunes. Des jeunes. La puissance du Seigneur. La puissance du Seigneur. La puissance du Seigneur. La puissance du Seigneur. Père, nous te bénissons pour l'unité. 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 Oh Père. Merci. Tu ne vas pas divorcer. Le Seigneur te dit, tu ne vas pas divorcer. Tu ne vas pas divorcer. La main de Yahweh. La main de Yahweh. Oh, quelle grâce. Serviteur de Yahweh. Serviteur de Yahweh. Le Seigneur t'appelle son serviteur. Tu marcheras. Tu marcheras avec cette femme. Tu marcheras avec cette femme. Elle marchera avec toi. Elle marchera avec toi. Une nouvelle gloire. Une nouvelle gloire. Un nouveau mandat pour ce pays. Une restauration profonde. Une restauration profonde. Nous te bénissons pour les finances que tu vas envoyer. Nous te bénissons pour le matériel que tu vas envoyer. Tu vas toucher, Seigneur, Dortmund. Tu vas toucher Stuttgart. Tu vas toucher, Père, oh, Munich. Tu vas visiter Hambourg. Tu vas puissamment visiter Hambourg. Nous te bénissons pour la conversion des prostituées. Nous te bénissons pour la visitation des prostituées, Seigneur. Oh Seigneur, nous proclamons ces paroles. Nous proclamons ces paroles. Nous proclamons ces paroles. Nous proclamons ces paroles. Wir verkünden seine Worte. Wir verkünden seine Worte. Wir verkünden seine Worte. Nous proclamons ces paroles. Wir verkünden seine Worte. Papa. Papa, merci. Papa, merci. Cet esprit de nuit, ce démon de nuit qu'on t'a envoyé de ton pays pour détruire ton foyer. Ce soir, ces puissances sont détruites.
au nom de Yeshua. Cet esprit de nuit qui t'empêche de dormir. Dieser Geist der Nacht, le Seigneur, der gekommen ist, um deinen Schlaf cela. Zu rauben. Der Herr vertreibt ihn. Tu vas être libre maintenant. Du wirst jetzt frei sein. Tu vas être libre maintenant. Oh. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Ils ont cru qu'ils devaient atteindre l'œuvre de l'Allemagne. Sie dachten, sie können das Werk in Ils Deutschland ont cru qu'ils devaient atteindre cette œuvre. Sie dachten, sie können das Werk Mais Yahweh n'a pas dit son dernier mot. Yahweh n'a pas dit son dernier mot. Yahweh hat nicht das letzte Wort gesprochen. Le premier vase a échoué. Das erste Gefäß. Et le second n'échouera pas. Das erste Gefäß ist zunichte, aber Je vois un vase en or. Ich sehe ein goldenes Gefäß. Un vase en or. 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 Ein goldenes Gefäß. Merci Seigneur. Danke Herr. Ne prêche jamais l'argent. Ihr sollt niemals Geld predigen. Ne prêche jamais une assemblée. Predige nie eine Versammlung. Ne prêche jamais un ministère. Predige nie einen menschlichen Dienst. Prêche la parole. Predige das Wort. Présente la parole. Verkünde das Wort. Et toutes les portes s'ouvriront. Und alle Türen werden geöffnet. Il est l'Alpha. Er ist das Alpha. Il est le Taf. Er ist das Taf. Le Créateur. Der Schöpfer. Oh. Un feu qui est en train de brûler les pieds, un feu. Das Feuer. Un feu, le feu du Seigneur. Feuer ist das Feuer des Herrn, das die Füße brennt. Le feu du Seigneur. Die Füße brennt. Feu du Seigneur. Feuer des Herrn. Oh, merci, papa. Danke, papa. Les hommes disent que c'est fini, tu ne vas plus te marier. Menschen sagen zu dir, du wirst nicht mehr heiraten. Mais le Seigneur te dit ce soir. Aber der Herr sagt dir. Il a écouté tes cris. Er hat gehört, wie du weinst. Il a écouté tes cris. Er hat gehört, wie du weinst. Il a écouté tes cris. Er hat dein Schreien gehört. Il a écouté tes cris. Er hat dein Schreien gehört. C'est monté jusqu'au trône de la grâce. Es ist bis zum Gnadenthron C'est gegangen. C'est monté jusqu'au trône de la grâce. Es ist gestiegen bis zum Gnadenthron. Il voit tes pleurs. Er sieht dein Weinen. Il voit tes souffrances. Er sieht, wie du leidest. Et le Père t'a exaucé. Der Papa hat dich erhört. Merci, Papa. Danke, Papa. Merci, Papa. Danke, Papa. Oh. Merci. Merci Seigneur. Danke Herr. Merci. Une bataille dans l'esprit. Eine geistliche Schlacht findet statt. Une forte bataille. Eine starke Schlacht. Beaucoup ont négligé ce programme-là. Viele dachten, dieses Programm ist nicht viel wert. Beaucoup ont voulu regarder à l'homme. Viele wollten Menschen sehen. C'était une convocation du Seigneur. Aber der Herr hat uns zusammengerufen. Une convocation du Seigneur. Der Herr hat uns zusammengerufen. Une convocation du Seigneur. Der Herr hat zusammengerufen. Une convocation der du Herr Seigneur. Hat zusammengerufen. Oh, Rabassaka. Le feu du Seigneur consume le péché en toi. Das Feuer des Herrn verzehrt die Sünde in dir. Je vois un feu qui consume le péché. Ich sehe ein Feuer, das die Sünde verzehrt. Un feu qui consume la rébellion. Ein Feuer, das die Rébellion verzehrt. Un feu puissant qui consume. Ein mächtiges Feuer, das verzehrt. Oh, et je vois la conversion des jeunes. Und ich sehe, wie junge Leute sich bekehren.
des familles. Familien sich bekehren. La conversion des jeunes. Junge Leute sich bekehren. La conversion des jeunes. Junge Leute, die sich bekehren. Ce feu qui est allumé ce matin. Dieses Feuer, das heute entzündet wird. Ne va plus s'éteindre. Niemals verlöschen. Je vois ce feu en train verlöschen. De prendre les forêts d'Hambourg. Dieses Feuer, das in den Wald von Hamburg. Le Seigneur allume un feu. Der Herr. Le Seigneur allume un feu. Der Herr zündet ein Feuer an. Le fire. Un feu. 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 Merci, papa. Danke, papa. Merci, papa. Danke, papa. Oh. Un feu. Un feu. Un feu, Seigneur. Nous chassons la mort à Stuttgart. Wir vertreiben den Tod in Stuttgart. Nous chassons la mort. Wir vertreiben den Tod. Papa, tu vas réveiller cette ville. Papa, du nimmst diese Papa, Stadt tu vas ein. Réveiller cette ville. Du wirst diese Stadt erwecken. Les promesses que tu as faites à Stuttgart. Die Verheißung, die du Il y a des promesses là-bas qui ne sont pas accomplies. Die Verheißung, die du Stuttgart gegeben hast. Oh Seigneur. Oh Papa. Oh Papa. Merci. Oh papa. Le Seigneur aime l'Allemagne, mais il a un choix particulier sur Stuttgart. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Deutschland so sehr, aber er fokussiert sich gerade auf Stuttgart. Ich weiß nicht, was es ist, aber der Herr hat was Spezielles. L'ennemi a voulu éteindre ça, mais Yahweh va faire. Der Feind wollte in Stuttgart alles vernichten, als auslöschen. Yahweh va faire. Merci, papa. Danke, papa. Merci, papa. Danke, papa. Ne soyons pas distraits, s'il vous plaît. Konzentrieren wir uns. Nous sommes dans la prière, ne soyons pas distraits. Beten wir, konzentrieren wir uns. Merci, Seigneur, pour la victoire. Danke, Herr, für den Sieg. Merci, Seigneur, pour la victoire. Danke für den Sieg. Merci Seigneur pour la victoire. Danke für den Sieg. Merci Seigneur pour les restaurations. Danke Herr für die Wiederherstellung. Merci Seigneur pour la purification. Danke Herr für die Merci Seigneur pour les cœurs que tu changes. Danke Herr für veränderte Herzen. Seigneur tu changes les cœurs. Der Herr verändert die Papa tu changes les cœurs. Papa du veränderst die Herzen. Papa tu changes les cœurs. Papa du veränderst die Herzen. Papa tu changes les cœurs. Papa du veränderst die Herzen. Papa tu changes les vies. Papa, tu changes les cœurs. Papa, du veränderst die Leben. Papa, tu changes les cœurs. Papa, du veränderst die Leben. Halleluja. Veränderst die Herzen. Halleluja, Papa. Oh, merci. Merci. Ta maman ne mourra pas. Deine Mama wird nicht sterben. Ta maman ne mourra pas. Deine Mama stirbt nicht. Je vais la toucher. Ich werde sie berühren. Je vais la toucher. Ich werde sie berühren. C'est la promesse que je t'ai faite. Das ist die Verheißung, die dir gegeben Ta hat. Maman ne mourra pas. Deine Mama wird nicht sterben. Merci. Merci, Seigneur. Pour cette nouvelle armée. Danke für diese neue Armee. Ce ne me montre des frères habillés en habits de militaire. Ich sehe die Geschwister in Militärkleidung. En habits de militaire. Ils ne sont pas nombreux. Sie sind nicht viele. Mais ils vont travailler main dans la main. Aber sie werden Hand in Hand arbeiten. Et le nom de notre maître sera restauré. Der Name unseres Meisters wird wiederhergestellt. Ils ne vont pas parler de l'argent. Sie werden nicht über Geld predigen. Ils ne vont pas parler d'eux. Sie werden nicht über sich selber reden. Mais ils vont prêcher le crucifié. Sondern sie werden das Evangelium predigen. Le roi des nations. Den König der Nationen verkünden. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Oh. Te bénissons pour les maladies qui quittent le corps. Wir loben und
preisen dich, weil Krankheiten aus den Körpern verschwinden. Pour les maladies, Seigneur, qui quittent les corps. Wir loben und preisen dich, weil die Krankheiten verschwinden. Bénissons pour les maladies qui quittent les corps. Wir loben und preisen dich, weil Krankheiten die Körper verlassen. Merci, Papa. Danke, Papa. Merci, Papa. Danke, Papa. Le Père va te restaurer. Der Vater wird dich wiederherstellen. Le Père va te restaurer. Der Vater wird dich wiederherstellen. Reste fidèle. Bleib treu. Reste fidèle. Bleib treu. Halleluja. Merci, Papa. Papa, rallume la flamme. Papa, rallume le feu. Zünde die Flamme wieder an. Nous disons non à la tiédeur. Wir sagen nein zur Lauheit. Nous disons non au sommeil. Wir sagen nein zum Schlaf. Nous voulons prioriser tes affaires. Wir wollen dich priorisieren, Herr. Nous voulons remettre ton royaume au centre. Wir wollen dein Königreich in der Mitte sehen. Quelles que soient les épreuves. Egal welche Prüfungen. Nous voulons que tu sois au centre. Du musst im Zentrum sein. Au centre. Im Zentrum. Oh Seigneur. Zentrum. Merci. Merci. Alléluia. Pour le fondement que tu restaures. Danke, Herr, dass du die Fondamente wiederherstellst. Merci pour la fondation que tu restaures en Allemagne. Danke für das Fundament, das du in Deutschland wiederlegst. Merci, Papa. Danke, Papa. Merci, Papa. Merci pour ce feu. Danke für dieses Feuer. Et chacun entrera dans sa ville avec ce feu. Jeder soll in sein Leben zurückkehren mit avec diesem ce Feuer. Feu. Un nouveau zèle. Eine neue Salbung, un neuer Eifer. Ne regarde pas ton âge. Schau nicht dein Alter an. Le Seigneur te voit jeune. Der Herr sieht dich als jungen Menschen. Un nouveau zèle. Du kriegst neuen Eifer. Merci Seigneur. Halleluja.
Name hat Autorität. Meine Lippen wollen preisen deinen Sieg. Les Allemands de souche. Vater, wir bitten dich, dass du Deutsche berührst. Oh, Seigneur, tu es fidèle. Treuer Herr. Oh, tu es fidèle. Treuer Herr. Tu es fidèle, Papa. Treuer Herr. Le Seigneur va justifier l'œuvre de l'Allemagne. Il va justifier cette œuvre. Dieses Werk rechtfertigen. Il va justifier cette œuvre. Dieses Werk in Deutschland rechtfertigen. Il va vous justifier. Er wird euch rechtfertigen. Merci, Papa. Danke, Papa. Oh. Te bénissons pour le fondement que tu restaures. Wir loben dich, weil du das Fundament wiederherstellst. Pour la fondation que tu restaures. Die Grundlage, die du wiederherstellst. Personne ne va plus le disperser. Keiner wird das jemals wieder wegnehmen. Tu affermis tes enfants. Du stärkst deine Kinder. Tu plantes la crainte de ton nom. Du pflanzt die Ehrfurcht vor deinem Namen. Tu plantes la haine du mal. Du pflanzt den Hass des Bösen. Et tu plantes l'amour de la vérité. Du pflanzt die Liebe zur Wahrheit. La passion de la vérité. Die Leidenschaft zur Wahrheit. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant qu'on priait, qui a reçu quelque chose? Wer hat was empfangen vom Herrn? Jacques, qu'on prie pour notre frère. Ich möchte gerne, dass wir für unseren Bruder frère, François beten. Le Seigneur me met à cœur qu'on prie pour notre frère. Für unseren Bruder François sollen wir beten, sagt der Herr. Est-ce qu'on peut se lever? Stehen wir auf. On va recommander le Fils du Seigneur entre les mains du Seigneur. Wir geben den Sohn des Herrn in die Hände des Herrn. Le Seigneur me mettait beaucoup à cœur pour qu'on prie pour lui.
Der Herr legt mir sehr ins Herz, dass wir für ihn beten sollen. Que le Seigneur prenne soin dans sa vie. Der Herr soll sich um sein Leben kümmern. Et que le zèle et l'amour qu'il a pour le Seigneur augmente. Und diese Liebe zum Herrn, dieser Eifer zum Herrn soll noch stärker werden. Que la soif qu'il a pour le Seigneur augmente. Und dieser Durst, den er für den Herrn hat, noch stärker werden. Nous sommes dans la prière. Merci. Merci pour notre frère François. Merci pour sa femme, sa famille. Merci pour sa vie. Merci pour sa famille que tu gardes. Il t'a choisi, Seigneur. Merci pour l'humilité dans son cœur. Merci pour la simplicité de cet homme. Papa, tu le remplis. Papa, tu le remplis. Papa, tu le remplis. Tu le remplis de toi, Seigneur. Merci pour cette nouvelle paire de chaussures. Tu l'accompagneras partout. Tu l'accompagneras partout. Et tu veilles sur sa femme. Tu veilles sur ses enfants. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Et tu mets un rempart autour de lui. Un rempart autour de lui. Il va prêcher ta parole avec autorité. Il va prêcher ta parole avec puissance. Merci pour les guérisons, Seigneur. Merci pour les guérisons, Seigneur. Merci pour les guérisons. Merci, Seigneur. Merci pour la simplicité. La simplicité, Papa. La simplicité. Merci pour le cœur d'enfant. Oh, il ira loin, Seigneur. Oh, Papa. Tu vois les cris de, tu vois les cris de son cœur pour ton pays, son pays. Papa, tu vas visiter son pays. Oh, tu vas visiter son pays. Tu vas visiter puissamment son pays. Tu vas changer les choses dans son pays. Oh. Nom de Yeshua. Papa, tu es fidèle. 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 Oh, Seigneur. Papa, tu es fidèle. Papa, du bist treu. Merci, Seigneur. Danke, Herr. Merci, Seigneur. Danke, Herr. Merci, Seigneur. Danke, Herr. Oh, Seigneur. Danke, Herr. Oh, Papa. Danke, Papa. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Amen. Papa. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Danke den Herr für dieses Gebet. Ich habe letzte Zeit zu viel für mein Land gebetet. Das ist für mich eine Bestätigung. C'est une confirmation. J'ai beaucoup prié pour mon pays ces derniers temps.
Ich habe viel, viel. Ich habe den Herr gesagt, er soll einen Weg öffnen. Eine Tür öffnen. Ich möchte gerne dahin. Ich sehe, wie die Leute leiden, dass die Leute das Evangelium brauchen. Das ist mein Gebet. Und der Herr hat mein Gebet erhört. Ich danke dem Herrn. Amen. Alléluia. Herr, danke. Joshua Mashiach, preise deinen Namen. Alléluia. Können wir nochmal für Joshua Mashiach klatschen? Alléluia. Amen. Fehlen die Wörter. Amen. Wir sind schon am Ende. Unser Treffen heute. Wir werden danach so kleine. Tja, ich traduiere ein bisschen. Si tu veux. Okay. Danach, also die Geschwister haben also etwas dort vorbereitet. Wir werden nur also kurze Gemeinschaft. Wir werden also eine Gemeinschaft haben. Und danach hätten wir noch gern. Wir sind da so lange da. Ich hätte gern, wir hätten gern mit Bruder Petros. Et le frère Pierre, ein kleine, ja, kurze Versammlung mit ein paar Geschwister hier. Wir wollen also ein bisschen offen reden. Avec des frères et sœurs, vor allem, ja, einfach offen reden und über das Ziel ist also, dass wir über das Werk des Herrn. Qu'on discute par rapport à l'œuvre. Amen. Wir wurden alle ermutigt, oder? On était encouragés. Amen. Erschüttert, oder? Was macht dieses Geräusch? Wow. Ich spüre einfach, dass wir unser nächstes Treffen in Stuttgart haben werden. Je sens que la prochaine rencontre sera à Stuttgart. On fera une rencontre à Stuttgart. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Wir haben so oft also von Stuttgart heute gehört. Also wir machen was in Stuttgart. Alors, Alléluia. Nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes le 25, le mois prochain. On fait un programme à Stuttgart. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et on va lancer des programmes de prière à fond. Amen. Donc, je suis moi-même, je ne sais même plus quoi dire. Alléluia. On doit s'arrêter là. Je sens qu'on doit s'arrêter. Sinon, on va continuer jusqu'à minuit ici. Alléluia. Yehoshua segne uns alle. Avant qu'on ne parte, j'ai eu à cœur qu'on prie pour, pendant qu'on était là, ta fille. Abigail, elle est partie? Elle est partie. On aura l'occasion de prier pour elle. Amen.
Que le Seigneur la garde. Alléluia. Yeshua, signe uns im Namen Yeshua Mashiach. Amen. On a terminé. Allez. Alléluia. Bis zum nächsten Mal im Namen Yeshua Mashiach. Amen.